Piastri définitivement prêt à gagner une course en 2024. Ça, oui. Je pense que je suis définitivement prêt à le faire. Je pense que la bonne chose, mais aussi la mauvaise, ce n'est que ce n'est plus la même chose qui nous a empêchés de gagner. De toute évidence, nous avons pris la mauvaise décision aujourd'hui. À Imola, nous avons un problème de trafic en qualif. Bon, en parlant des qualifications en Autriche, mais ce sera. Je pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas une erreur répétée, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne poignée de progrès des deux côtés du garage où nous avons le sentiment que nous avons pu gagner la course. Bah, ils lui ont foiré sa course avec la stratégie, c'est tout, hein. Pour être honnête, cette décision dans cette course est probablement la plus difficile que vous aurez à prendre en course automobile. Vous avez deux voitures, une contre deux, séparées par une demi-seconde sous la pluie. Je pense pas que ça soit, puisse être plus difficile que ça. Bah, ce qu'il fallait, il fallait faire un double arrêt. Il fallait juste dire à Piastri de ralentir pour laisser du temps à Norris de s'arrêter, c'est tout. Il fallait juste faire ça en fait. Et pas le laisser pourrir avec des pneus slick sur la pluie, quoi. Il y a des choses qu'on doit revoir. Je pense que le double arrêt aurait été la meilleure décision avec le recul. Ça aurait été une chose merveilleuse. Je pense que nous devions simplement revoir si nous avons accordé suffisamment d'importance à cette décision. Évidemment, lorsque les deux voitures sont aussi proches comme ça, vous perdez beaucoup de temps à faire un double arrêt. Les conditions devenaient de plus en plus difficiles. C'est très difficile à évaluer, etc., etc. Bon. Je savais que nous aurions plus de chances plus tard dans la course en revenant au slick et en choisissant les pneus que nous avions. Je savais que nous aurions plus d'opportunités. J'ai donc essayé de donner la meilleure chance possible pour tenter de gagner. Putain, elle est longue l'interview. Waouh. Ma décision de mettre des pneus médiums était la bonne parce que je pense que nous étions les plus rapides à la fin. C'est juste dommage que nous n'étions pas dans une meilleure position au milieu de la course. Honnêtement, je pense que nous avons fait un très bon choix. Je pense que nous avons ajouté de l'appui en qualif. Nous avions de toute façon un peu de mal à rouler à grande vitesse sur le sec, mais avec les aléas de la météo, je pense que nous avons fait un très bon choix. Je pense que nous avons pris 99% de bonnes décisions ce week-end. Alors, moi, je suis pas trop d'accord, hein. Le truc, c'est que les mauvaises décisions qu'ils ont prises ont impacté énormément leur course au final. Et puis voilà quoi. C'est vraiment une occasion de rater encore pour lui, mais bon, on va pas se plaindre, c'est Hamilton qui a gagné du coup. Ma foi. Allez, ça arrivera tôt ou tard, la victoire de Piastri, c'est sûr.